Vous regardez RTI1. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier virage de l'information. Elle a parrainé ce jour-là la célébration de la fête des mères dans la région de la Mé. Madame Dominique Ouattara était accompagnée du Premier ministre Patrick Hachi, par ailleurs président du Conseil régional de la Mé. La Première Dame de Côte d'Ivoire a offert une enveloppe du FAPSI additionnelle de 500 millions de francs CFA. Le dossier politique de ce jeudi sera consacré à Francis Vaudier, à sa vie et à ses convictions. L'ancien président du Conseil constitutionnel est décédé lundi dernier. La Côte d'Ivoire rend hommage à un éminent cadre, doublement agrégé de droit public et de sciences politiques. Puis à 2023, le premier contingent étatique de pèlerins ivoiriens a atterri ce jeudi à Abidjan. En provenance de Jeddah, en Arabie Saoudite, au moins 10 000 candidats au Hajj auront passé plusieurs jours dans un état de prière, d'invocation et de communion avec Allah. Voilà pour le titre. Merci de regarder RTI 1 présent à Diamniadio, près de Dakar, où il participait à l'ouverture du forum Invest in Sénégal. Le vice-président de la République, Tiémoko Meliet Kone, a encouragé les participants, sinon les partenaires, entre les partenariats entre les investisseurs sénégalais et ivoiriens. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le seul pays invité d'honneur du forum Invest in Sénégal, organisé par l'agence gouvernementale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l'État du Sénégal. Au CICAD, le vice-président de la République a insisté sur la complémentarité des économies du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, deux pays qui offrent des opportunités mutuellement bénéfiques. Tiémoko Meliet Kone qui a regagné Abidjan dans la soirée de ce jeudi. Je vous disais en ouverture de cette édition, la Première Dame de Côte d'Ivoire était ce jeudi dans la région de la Mé. Madame Dominique Ouattara participait à une cérémonie solennelle de la fête des mères. Avec ses sœurs Akié et leurs alliés, elle a offert de nombreux dons en vivres et non vivres d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Le témoignage de Viviane Aïma. Annoncée depuis plusieurs semaines, les femmes de la Mé attendaient cet événement. Les nombreuses bâches dressées sur la grande place de la nouvelle gare d'Adzopé affichaient complet. De fortes délégations sont venues de tous les départements de la région, Yakassé à Tobrou, à Koupé, à Lépé, à Gou, à Adzopé. Si la célébration de la fête des mères se veut une occasion de convivialité et de partage, la présence massive de ces femmes heureuses d'accueillir la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et vivre cette célébration en sa compagnie, était gage du succès de cette fête. En visite pour la quatrième fois dans la région de la Mé, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu à son arrivée l'accueil enthousiaste et chaleureux de ses sœurs, tout comme celui de l'ensemble de la population, autorité administrative, coutumière, cadre et élu, la région de la Mé étant le terroir natal du Premier ministre Patrick Hachi et son épouse. Malgré une petite averse en cette saison pluvieuse, la fête a tenu toutes ses promesses. Marquée par un défilé des différents corps de métier des femmes de la région, marquée aussi par une remise de distinction dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille à plusieurs d'entre elles, ainsi que par de nombreux pas de danse. Plusieurs allocutions sont venues magnifier le rôle de la mère. Une mention spéciale a été faite à l'endroit de la première d'entre toutes les mères de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, grâce à maman Dominique Ouattara, je m'épanouis pleinement dans mon veuvage. J'arrive à payer les fournitures de mes enfants. Il n'y a pas un jour où un enfant est venu vers moi. Maman, on a besoin de tel document à l'école. Et je vais dire non, il faut passer après. Je dis non. Dès qu'elle le dit, dès que j'ai su ça. Vous avez été sollicité par plusieurs personnalités de notre pays pour vous rendre dans leur localité afin de célébrer la fête des mères.
De même, les femmes de la Mée ont ardemment désiré vous voir à leur côté et m'ont chargé de vous transmettre leur invitation. Vous avez répondu favorablement. Cela démontre, une fois de plus, l'affection que vous portez à toutes vos sœurs de cette région. Soyez-en vivement remerciés. Les femmes du vivrier, les femmes entrepreneurs, les femmes des marchés, les femmes de l'armée de Côte d'Ivoire, les femmes du domaine de la santé, les femmes de l'administration de Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes vous disent merci, vous disent initié, vous disent ayoka, vous disent aseo, vous disent modada, vous disent nansé, nansé, nansé. Merci infiniment pour tout, Madame Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, avec mes parents ici présents, avec les populations de la Mée, avec tous les Ivoiriens, unis par une même force, celle de la vérité et de la fidélité, vous pouvez rassurer votre époux. Pour la Côte d'Ivoire, face à une telle œuvre de reconstruction du présent et d'architecture de l'avenir, face aux défis actuels, nous n'avons qu'un seul choix, qu'une seule parole, qu'une seule évidence. Être là demain comme nous sommes là aujourd'hui, à vos côtés et aux côtés de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, solidaire et mobilisé autour de lui, avec lui et pour lui. Cette célébration aurait été incomplète sans remise de cadeaux. La Première Dame de Côte d'Ivoire a reçu de la part de ses sœurs de Lamé un grand tableau représentant le couple présidentiel et des présents sous forme de produits du terroir. Pour sa part, elle leur a offert de nombreux dons en vivres et non-vivres, dont 5 ambulances pour la région. Le tout d'une valeur de 500 millions de francs, plus un don en espèces d'un montant de 13 600 000 francs. Leur rendant hommage à son tour, elle leur a fait une importante annonce. Mes chères sœurs, la célébration de la fête des mères à Zopé me donne l'agréable opportunité de renforcer votre automisation et de favoriser le mieux-être d'un plus grand nombre des familles de la région. C'est un capital de 2,075 milliards de francs CFA qui a déjà été mis à la disposition de nos sœurs des 4 départements. Aussi, j'ai décidé un financement additionnel de 500 millions de francs CFA, ce qui fera passer le montant total du FAFSI pour la région de la Mée à 2,575 millions de francs CFA. J'ai également voulu vous manifester mon soutien en vous apportant des dons en vivres et non-vivres d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de matériel agricole, de tricycles, de matériel de couture et de coiffure, ainsi que de nombreux autres dons pour nos sœurs commerçantes. Je reste convaincue que vous en ferez bon usage. Je vous offre également 5000 pagnes Uniwax et je sais que cela vous fera grand plaisir pour que vous soyez encore plus belle. Je ne saurais, avant de clore mon propos, sans vous exprimer, mes chères sœurs, un désir cher à mon cœur. Il s'agit de maintien de la paix dans nos communautés, nos villes et nos villages. En effet, nous connaissons les enjeux des élections à venir et je voudrais vous exhorter, mes sœurs, à faire preuve de modération et à sensibiliser tous vos proches au maintien de la paix. Soyez en tout temps, en tout lieu, des actrices de cohésion sociale et des promotrices du vivre ensemble. Excellente fête des mères à toutes, je vous remercie. Azopé a ainsi abrité ce jeudi 6 juillet la cérémonie solennelle marquant la célébration 2023 de la fête des mères en Côte d'Ivoire. La prochaine édition aura lieu dans une autre région.
Sur un tout autre plan, les auditeurs de la deuxième promotion de l'Institut de formation politique à Amadougon Koulibaly sont de sortie. Ils ont reçu ce jeudi le parchemin qui marque la fin de leur formation, une cérémonie au cours de laquelle les valeurs incarnées par l'ancien Premier ministre ont été rappelées. Alexis Ouedraogo. La promotion que nous honorons aujourd'hui représente un espoir pour notre nation. Vous êtes les acteurs du changement, les porteurs de nouvelles idées et les futurs dirigeants de notre pays. Au Sofitel, Hôtel Ivoire, ce jeudi, la deuxième promotion de l'Institut politique Amadougon Koulibaly reçoit son parchemin. Dans deux jours, ça fera 3 ans, jour pour jour, qu'Amadougon Koulibaly nous a quittés. Juste après son décès, avec mes frères, nous avons estimé qu'il était important, au regard donc de l'hommage qui lui a été rendu par l'ensemble de la classe politique ivoirienne et des valeurs qu'il a incarnées toute sa vie, de mettre en place cet institut, cet instrument pour pérenniser sa mémoire et ses valeurs. L'organisme de formation politique lancé en janvier 2021 travaille à la promotion des valeurs qu'incarnait l'ancien Premier ministre. Et le panel des grands témoins de son histoire, sous l'œil de la famille présente ce jour, donne l'occasion de redécouvrir l'homme. Et sa carrière politique est la synthèse de toutes les valeurs qui caractérisent la famille Gon. C'est la politique achevée à son strate le plus élevé, la famille Gon. Amadou Gon Koulibaly, c'était la discipline, j'allais dire faite chère. Discipline sur lui-même, mais discipline dans le travail, discipline dans sa relation. Amadou Gon n'avait de respect que pour le travail. Il n'avait de respect que pour le bien-être de ses compatriotes. Il n'avait de respect que pour ceux qui avaient les valeurs d'humilité et de générosité. Mais il était surtout le trait d'union entre le président Alassane Ouattara et nous tous. Et aujourd'hui, c'est un vide que nous n'arrivons pas à combler. Alors que le 8 juillet prochain, l'on comptera 3 années depuis son décès, des journées commémoratives portées par l'Institut annoncent une dédicace de l'ouvrage autobiographique « Le cœur et l'esprit » de Venance Conan et Ziad Limane et un voyage des auditeurs de l'Institut à Korogo. Si nous sommes réunis ce jour, c'est parce qu'Amadou Gon Koulibaly a su être. Il a su être un homme fidèle, il a su être un homme loyal, il a su être un homme vrai, il a su être un homme de conviction, un homme engagé, un homme des libertés conquises. Je rends donc hommage à ce digne fils de la Côte d'Ivoire, à ce serviteur infatigable qui a tant donné pour notre pays, aux côtés de son père et repère, son Excellence Alassane Ouattara. Pour cette année, l'IFP-AGC propose des formations dans les domaines de l'engagement, du leadership et de l'analyse politique, notant que la rencontre a vu la participation de nombreuses délégations étrangères. Arraché à l'affection des siens depuis lundi dernier, le dossier politique de la rédaction de RTI 1 ouvre ce soir une lucarne sur le professeur Francis Vaudier. À l'annonce de sa mort, plusieurs personnalités du monde politique, mais pas que, ont rendu un hommage à l'illustre disparu. Tous saluent un intellectuel hors pair, un défenseur des droits de l'homme. Éric Goré revient justement sur les grands moments qui ont rythmé sa vie. L'orientation politique ou l'idéologie du Parti ivoirien des travailleurs n'a jamais été une priorité pour Francis Vanga Vaudier, l'ex-président du PIT. Cette personnalité avait une autre lecture focalisée sur les réalités du moment. C'est l'un des grands acteurs clés du retour du multipartisme. Ceux qui ont toujours aimé que la liberté individuelle et collective soit démise dans notre pays. C'est lui, en 1995, qui sera candidat contre Henri Konan Bédier lorsque toute l'opposition décide de boycotter l'élection présidentielle. À première vue, on a l'impression que les actes ou les positions qu'il prend, ce sont des positions de trahison. Mais c'est un monsieur qui, dans sa rigueur, mettait l'intérêt de la Côte d'Ivoire
au-dessus de toute chose. Ce parti a contribué à sa manière à l'évolution du processus démocratique en Côte d'Ivoire. C'est une reconnaissance de son combat. C'est d'abord un grand combattant des droits de l'homme et un combattant de la chose politique, et un combattant du bien-être, n'est-ce pas, des populations. Ce n'était pas la lecture de l'opposition, ce n'était pas la lecture de nous autres étudiants qui avons adulé autant. C'est un grand opposant, mais pour le faire, il faut avoir du cran, il faut avoir du caractère. En 2010, Francis Vanga Vaudier va rejoindre le RHDP contre son compagnon de lutte, Laurent Gbagbo, à l'élection à la présidence de la République. Quand le pays était nous sommes aperçus que le président Alassane était en train de faire un travail qui allait faire connaître à la Côte d'Ivoire un bond qualitatif en termes de développement. Nous n'avons pas cherché à savoir si Alassane est de droite, si Alassane est de gauche. Francis Vanga Vaudier avait ses méthodes propres. Il assumait ses choix. Il est resté sur cette position de droiture, de vérité. Et la vérité qu'il disait ne plaisait pas toujours, au point où, ça lui valait souvent des déboires. Cet homme politique était aussi un enseignant rompu à la tâche. C'est le tout premier doyen noir d'une faculté. Et ça, il faut avoir de la contenance. Il faut avoir du poids. Et Vaudier avait toute cette dimension. Professeur émérite, grande référence intellectuelle dans le droit, et qui s'est retiré de la vie politique et qui vient de nous quitter. C'est une grande perte pour l'Académie ivoirienne. Il a partagé l'amour du droit. C'est vrai, je ne suis pas publiciste, mais quand on essaie de regarder les références intellectuelles dans la perception du droit de l'État, donc du droit constitutionnel, du droit public, je pense que c'est un nom qui va épuiser le temps. Si je suis devenu agrégé, c'est parce que j'ai été pris en main particulièrement par le professeur Vaudier. C'est lui qui nous a entraînés, qui nous a préparés pour aller à ce concours d'agrégation. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, je dois énormément. Ma connaissance en matière de droit, mais également, si vous voulez, toute l'expérience nécessaire en tant qu'enseignant de droit. Et vraiment, c'est une grande perte pour moi. À titre personnel, c'est vraiment une grande perte pour moi. Je voudrais, en ce moment particulier, dire mes pensées, vraiment d'encouragement et de compassion à son épouse et à toute sa famille. Une personnalité dont les qualités sont reconnues en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Un dossier politique à revoir sur RTI 1. Continue à parler de politique avec justement le RHDP qui continue de présenter ses candidats aux prochaines élections à Aferi. C'est Valentine Mbo-Afo qui portera la couleur du parti. Elle a été désignée officiellement le 1er juillet dernier. Le commentaire de Moussa Konaté. Pour la conquête de la commune d'Aferi, le RHDP choisit Valentine Mbo-Afo. Entrepreneur dans le domaine de la restauration, elle est présentée officiellement aux populations. Je vous dis merci du fond du cœur. Merci. Donnez-moi 5 ans. Je n'ai jamais oublié de vous dire que j'ai quelqu'un derrière moi. Et cet homme, vous le connaissez que moi. Valentine Mbo-Afo pourra compter sur le soutien de l'ensemble des cadres du RHDP de la région de la Mé, avec à leur tête le Premier ministre Patrick Achi. C'est le RHDP à Aferi qui a adhéré à ce que Valentine soit le candidat pour la ville d'Aferi. Ce qu'on cherche, c'est réaliser le bonheur des gens. Ce qu'on cherche, c'est de réaliser le développement d'une ville. Ce qu'on cherche, ce n'est pas notre bien-être personnel. Ce qu'on cherche, ce n'est pas qu'on nous donne un titre personnel.
De nombreux dons ont été faits aux populations. Au cours de cette cérémonie de présentation de la candidate du RHDP pour les municipales à Aféry. Dans la commune de Beaunois, c'est le candidat Toussaint Adjobi qui a été présenté aux populations pour les prochaines municipales. Un choix judicieux du président de la République, nous rapporte Eric Goré. C'est lui le candidat du RHDP pour l'élection municipale à Beaunois. Toussaint Adjobi a été présenté aux populations par le représentant du secrétaire exécutif du parti. Une présentation spéciale qui a fait la part belle à la tradition à Bourré. Les membres de la génération dont est issu le candidat l'ont confié aux ancêtres. Adjobi Toussaint fait l'unanimité autour de lui, selon le secrétaire départemental du RHDP de Beaunois. Le fait qu'il y ait presque 9000 militants au sein du parti, mais je pense que Beaunois a compris. Je peux vous sortir ma base de données tout de suite. J'appelle mes identifiés avec carte d'électeur, tout. S'inscrire dans le programme de développement de cette localité, une priorité pour le candidat du RHDP. La vision politique de son Excellence Alassane Ouattara, président de notre grand parti, le RHDP, nous avons compris que la solution pour soigner Beaunois était le RHDP. Et quoi de plus normal de pouvoir apporter un mieux-être, un bien-être à ses parents. Quand vous dites que vous aimez vos parents, ce que vous pouvez faire pour eux, c'est de leur apporter le mieux-être, c'est de leur apporter du bonheur. Et le bonheur pour les Ivoiriens, le président Alassane Ouattara l'a démontré qu'il peut le faire et c'est ce que nous voulons pour nos frères et nos sœurs de Beaunois. Toussaint Adjobi promet de créer la proximité avec les populations de Beaunois afin de signer un partenariat entre la mairie et ses administrés. On reste dans le temps de l'actualité avec le ministre des Affaires étrangères du Portugal qui a fait le déplacement d'Abidjan avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Candia Camara, João Gomes Cravinho, a procédé à l'ouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. Fermée depuis près de 20 ans, l'ambassade est à nouveau opérationnelle depuis cette semaine. Une réouverture qui laisse entrevoir des perspectives de coopération bilatérale entre Yamoussoukro et Lisbonne. Direction Bissau, où se tient ce jeudi la 50e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. À l'ouverture des travaux, le président de la commission de l'organisation sous-régionale a décliné les enjeux. Les participants vont plancher sur des questions liées à la paix et à la sécurité dans la région ouest-africaine. La rencontre précède justement le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra ce week-end à Bissau. Mahama Traoré est notre envoyé spécial. Matinée pluvieuse à Bissau. La capitale de la Guinée-Bissau accueille pour quelques jours la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Excepté le Mali, le Burkina Faso et la Guinée suspendue pour cause de transition militaire, les 12 autres États membres sont conviés en terre bissau-guinéenne pour 3 importantes rencontres. La 50e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, la 90e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO débute ce jeudi, en prélude au 63e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cette réunion des ministres se tient au palais de gouverneurs. Plusieurs questions sont abordées. Nous avons des points très importants sur les institutions de la CEDEAO. Nous avons les points sur les questions de paix et sécurité dans la sous-région. Nous avons des questions sur le commerce intra-régional, libre circulation des biens et des peuples. Nous avons des questions sur la monnaie unique. Selon le président de la commission de la CEDEAO, un accent particulier sera mis sur l'accroissement des échanges économiques au niveau sous-régional. Les autres régions qui sont bien intégrées, leur niveau de commerce intérieur se situe autour des 70%. Pour nous, le commerce intérieur se situe entre 12 et 13%. Donc nous avons beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et il faut vraiment pousser ça. Pour faire ça, il faut l'infrastructure, il faut la capacité de production, il faut la capacité d'échange.
À cette 50e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, la délégation ivoirienne est conduite par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Léon Kakou Adom. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de l'ANP. L'Autorité nationale de la presse observe que dans le traitement des faits divers, des qualificatifs incriminants, dédaigneux, voire insultants sont utilisés pour désigner les personnes mises en cause. De même, les images et les identités de ces personnes sont exposées par la presse, abstraction faite de leur droit à la présomption d'innocence. L'ANP voudrait rappeler que la présomption d'innocence est un principe sacro-saint qui suppose que toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. Ce principe a été repris par l'article 7 de notre Constitution qui dispose que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité a été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. D'ailleurs, l'article 31 de la loi 2017-967 du 22 décembre 2017, tel que modifié par la loi 2022-978 du 20 décembre 2022, dispose que le journaliste professionnel jouit d'une liberté dans la collecte, le traitement, la publication et la diffusion de l'information sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment le respect du droit à la présomption d'innocence, à l'image, à la vie privée, ainsi qu'à l'honneur et à la réputation. C'est pourquoi l'ANP voudrait inviter la presse dans son ensemble à se garder de qualifier les faits et d'incriminer toute personne mise en cause dans une affaire avant que sa culpabilité n'ait été judiciairement établie. Il y va du respect du droit à la présomption d'innocence, signé le président Samba Kone. Sur un tout autre plan, l'attraction était du côté du Palais de la Culture de Trècheville. Mercredi après-midi, au moins un millier d'enfants n'ont pas voulu se faire compter l'ouverture de Roseau Vacances 2023. La première manche de ce grand concours culturel dédié aux enfants a vu la victoire des ministères de Niakaramadougou. Une ambiance bon enfant racontée par Mohamed Khalidou Mandé et Serge Coléa. Elle était visiblement très attendue. Roseau Vacances, l'émission culte des tout-petits, reprend du service. Après une année scolaire studieuse, les enfants renouent avec l'ambiance chaleureuse du Palais de la Culture, Bernard Dadi. Ça me plaît d'être à Roseau parce qu'il n'y a pas tous les jours la chance de venir à Roseau. Je suis très heureux d'être à Roseau. Tata Naomi m'a manqué, Roseau m'a manqué. Lorsque Tata Naomi et l'artiste Roselyne Layo s'invitent sur la scène, l'ambiance monte d'un cran. Enfants et adultes sont dans l'effervescence de Roseau Vacances. Top départ pour une nouvelle saison pleine de rebondissements. On est très contents d'être ici. La joie des retrouvailles est aussi partagée par Tata Naomi. L'animatrice vedette annonce une édition 2023 époustouflante et pleine de surprises. Plusieurs innovations pour la saison 2023. On aura bien sûr des artistes qui vont prester avec des enfants. Le petit génie qui va se passer avec des tablettes grâce à la DSI. Et puis on aura des artistes qui vont nous réserver des surprises. Il ne faut absolument pas manquer Roseau Vacances 2023. Roseau Vacances, c'est l'expression du talent à l'état pur. L'expression du talent, c'est bien ce qu'ont démontré les différentes équipes en compétition pour cette première manche éliminatoire. Plus de 2 heures de spectacle au cours duquel savoir-faire intellectuel et artistique se complètent. Une variété de prestations pour le bonheur du public. J'aime le playback parce que les enfants aiment imiter les artistes. Et danser, c'est chic. C'est les ministères de Niakara qui vont gagner. Il y a tout à Niakara. Il n'y a pas mieux. Ouais!
Au terme de cette première manche, les ministères de Niakara se placent en tête du podium avec un total de 976 points, suivi de la nouvelle génération d'Anyama. Ils décrochent ainsi leur passeport pour les demi-finales. La deuxième manche éliminatoire est prévue le 12 juillet prochain. Les tickets sont disponibles en ligne via le site web www.cypressetickets.com. De la joie à la tristesse, il n'y a qu'un seul pas. La nouvelle est tombée ce jeudi, rongée par une longue maladie. L'ex-journaliste de la RTI, Awa Ehoura, n'est plus. De l'information sportive à la politique, elle aura plusieurs années durant marqué son parcours à l'antenne grâce à son style sobre mais efficace. Ceux qui l'ont connu et côtoyé sauront où placer les mots pour qualifier la professionnelle qu'elle a été. La rédaction de RTI 1 revient justement sur son parcours. La suite, c'est dans ce reportage signé Franck Quadio. On l'appelait l'affaire Côte d'Ivoire-Sénégal. Après la lettre de protestation du gouvernement ivoirien hier vendredi... La voix est posée et le style sobre. Une présence qui depuis quelques années n'était plus visible sur le grand écran. Awa Ehoura a définitivement rangé plume et micro, emporté par un mal pernicieux dans la nuit du mercredi au jeudi 6 juillet. Figure de proue de la sphère journalistique télévisée dans les années 90-2000, Awa Ehoura Ouattara, né le 15 mars 62 à Boaké, licencié en histoire, tutoie d'abord les études et le sport. Championne d'Afrique de handball, cadet senior, avant les années 84, elle embrasse ensuite la carrière d'enseignante. Le 1er avril 1996, elle est embauchée à la rédaction sportive de TV2, puis finira par présenter le journal télévisé du 20h, première chaîne. 7 années plus tard, elle est chef de service, sous-directrice, puis directrice de la première en 2001, avant de sortir pour la première fois du giron RTI le 31 août 2001. Elle reviendra en 2007 comme journaliste présentatrice avant son départ le 12 mars 2012. Un parcours professionnel notable, mais surtout une touche particulière dans la présentation qui n'aura laissé aucun téléspectateur indifférent. C'est moi, Awa Ehoura, et je suis là, je réponds. La maladie, hélas, aura eu raison du Awa Ehoura Ouattara, baptisé Tabitha, laissant la grande famille de la presse orpheline d'une présentatrice au charisme avéré. Adieu, Awa Ehoura. La mort n'arrête pas l'amour. Après plusieurs semaines passées en terre d'Arabie Saoudite, les premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour à Abidjan. Au nombre de 430, ils ont été accueillis ce jeudi après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Vagondo Diomandé s'est dit satisfait du bon déroulement de leur séjour spirituel. Le reportage de Mohamed Khalil Diomandé dans un commentaire de Walter Hamadou Ouattara. C'est aux environs des 17h18 ce jeudi que le premier vol charter du contingent étatique et ses 430 pèlerins se posent sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Au bas de l'échelle découpée pour les accueillir, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Leurs premiers mots sont des gratitudes à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara. Allô, merci. La présidente, merci beaucoup, merci. Ce que tu as fait pour nous, là, vraiment, on te félicite. C'est nous qui étions premiers pour entrer au hôtel. On nous a accueillis comme toi-même. Donc, merci beaucoup, merci, merci. Dieu est d'accord de donner leur vie. On a été vraiment assistés par l'État. On dit gloire à Dieu. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire, surtout pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. La paix, surtout la paix. Parti d'Abidjan le 7 juin dernier, ces pèlerins du premier contingent étatique sont tous rentrés sains et saufs. Un réel motif de satisfaction pour le ministre Vagondo Diomandé. Tout s'est bien passé et nous espérons confirmer ce bilan-là à l'arrivée du dernier vol. Ce que nous pourrons dire, c'est que Dieu qui est au contrôle de tout, puisse exaucer toutes les prières qui ont été dites pour la paix et la quiétude
dans notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Un deuxième contingent étatique est attendu ce vendredi 7 juillet. Le Hajj 2023 a enregistré une participation de plus de 9000 pèlerins, dont plus de 7000 pour le contingent étatique. Le générique qui annonce la fin de ce journal va retentir dans quelques instants seulement. Demain vendredi, vous retrouverez Aficiata Dosso Karamoko à 6h30 avec de nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs. Bonsoir.